L'École des étoiles fait partie du réseau libre non confessionnel. Nous voulons donner les moyens pour que chaque enfant, selon le potentiel qui lui est propre, puisse développer des capacités qu'il mettra au service de la société. Nous insistons sur la connaissance que chacun a de lui-même, mais aussi des autres. C'est pourquoi nous nous sommes rendus chez le dentiste, afin que chacun puisse développer le respect de soi en passant par l'hygiène corporelle. Le cours de psychomotricité et d'éducation physique amène également les enfants à mieux se connaître et ainsi à mieux se développer harmonieusement. Nous mettons l'accent sur la construction personnelle des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pour que les enfants deviennent les citoyens acteurs de demain. Les enfants se sont par exemple rendus dans la forêt en automne pour apprendre le fonctionnement de la nature. Plus tard, ils ont pu découvrir les traces du passé au musée du jouet. Notre but est de former des individus qui soient les artisans de leur propre épanouissement et d'une société juste, tolérante, ouverte et harmonieuse. Nous misons sur l'ouverture au monde et à ses richesses sociétales et culturelles. Pour cela, nous avons pu rencontrer M. Roger, qui nous a parlé de la guerre, mais surtout de la paix. Nous avons alors envoyé des messages d'espoir, accrochés à des ballons. Enfin, il nous semble important de développer et de renforcer les habiletés sociétales pour cultiver l'art du vivre ensemble, afin de soumettre à la société des enfants responsables, actifs et surtout porteurs de valeurs. Un cours est mis en place afin d'aborder des sujets comme la fraternité, la solidarité, le respect, la tolérance, le partage. Nos valeurs éducatives se basent essentiellement sur trois points: l'universalisme, l'autonomie et la bienveillance.